Attendez. Comment s'appelle cette communauté qui est ici? C'est quoi? Passe de l'espace. Ah, y'a Sans! Y'a Sans! Je crois que c'est celle-là qu'il me fallait. Bah, il faut que je recrute cette personne. Après, il faudrait que je voie. Ah, j'ai raté mon coup. C'est pas grave. Ça me stack fantôme contre une 2 solitaire. Si je gagnais avec une 2 solitaire, j'aurais pété un câble. Technique niveau plus. Bon bah ça va. ça va, ok. Ok. Ok, on va tirer avec notre direct de Pégase, on s'en fout. On s'en fout. Ok. Ciao ciao l'inimette. Ok. Alors est-ce qu'on va pouvoir avoir un perso qui va arriver? Non. Par contre, il y a un vendeur de cartes là-bas. Qui dit vendeur de cartes dit peut-être que je vais pouvoir recruter le perso que je souhaite recruter. Ce qui a l'air très français quand je dis ça comme ça. Non, ça d'accord, c'est eux. Ok. Jay! Dis la pute, t'es là, regarde, Jay! Il n'est que s'appelle Jay! C'est toi! Donc c'est pas là. C'est pas ces cartes là, donc on va aller chez Sor parce qu'il y a un vendeur de cartes. Par hasard, si on descend d'un cran. Mais non, c'est toi, hein, à trouver, hein. J'ai bien te trouver. Donc là, il y a bien un vendeur de cartes, on va aller voir. Donc il me faudrait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sans. Serveur, ok. Sans n'est pas là. Ou alors il faut. Ça se recrute. En défi. Il y a un coffre pas loin. Ouais, mais ouais, le coffre. Qu'est-ce que je viens pas de retourner au même endroit que tout à l'heure. Non. Donc là, il n'y a pas de vendeur de cartes. On va dans la grande plaine. Oh putain, il faut aller tout en haut, sérieux. C'est trop long, c'est trop loin! Tu peux pas voir ma liste, faut battre les orques. D'accord, bah j'ai bien fait de pas tenter. Ça ne c'est par défi. Mais ils sont vraiment de notre gueule ce. Coffre jaune, mais j'ai pas de clé pour. Je vais quand même regarder ce qu'il y a comme carte. Stairless, Paint and Urge. Monkey, Squatch, Pi, Sutter. Ouais, y a pas grand chose. Donc c'est par défi. Et dans les cartes que je voulais, y'a rien à faire. Merci à Rémi Rome et Rémi Norem. Rémi Norem, yeah. Donc il y avait Sense, donc je sais où aller, mais maintenant je vous ai compris. Il y avait qui d'autre que je pouvais. Steady. Non. Twain. Donc le nom c'était Twain, mais je sais pas si. Twain il était là. En tout cas, je trouve aucune des personnes dont j'ai besoin. Il y a l'outil magique index pour voir les joueurs et comment les recruter. Ah, il y a même écrit comment les recruter. Bah, c'est pas bien. Je savais pas que c'était aussi dans comment les recruter dans l'index. C'est pour ça que je regardais pas dans l'index. Donc, on va aller dans le pardon et dans les S. Donc, c'est Sense. Sense qui est là, je l'ai vu. Comité Cross Sauvage, recrutement par défi. Putain, c'est écrit en plus. Et l'autre, c'est Twain. Chana Twain. Attendez. Je suis pas du tout au bon endroit en fait. Twain, alors Twain, où tu es? Tu es ici, donc c'est carte joueur, dino rigolo, ravin abrupt. Putain, en fait, t'es bien là, je suis désolé, j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait même le truc dedans. Donc c'est dans le ravin abrupt, d'accord. Et on a une carte joueur en recrutement. Le ravin abrupt, d'accord. Et j'ai vu aussi qu'il y avait Xavier. Xavier, je rêve de l'avoir lui aussi. Xavier. Bon, Xavier Grand, on va pas non plus, voilà. Star du mondial, Park Inazuma. C'est une carte joueur. Ok, d'accord.
Ah, j'ai gagné du temps, ouais, pas mal de temps. Dans le ravin abrupt, on va essayer d'aller au ravin abrupt. Par contre, je suis dans la vallée des bêtes, par exemple. Là, je suis dans la vallée des bêtes, nord. Ok. On va aller chez Sor. Dans le truc abrupt, là. C'est pas, c'est peut-être pas là, d'ailleurs. Peut-être une connerie. Ah, si, c'est ici. Ok, donc là, logiquement, ici, il devrait y avoir Twain à recruter. Donc, je vais voir ce qu'il faut pour le recruter. Parce que j'aimerais bien avoir les deux persos que je recherche depuis tellement longtemps. Alors, Twain, normalement, il doit y être. Il est là. Twain, il me faut l'ambre ancien. Comment t'as dit gagner dans une vallée ancienne? Non, mais il faut arrêter, là, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en peux plus. Ok, il me faut l'ambre ancien. Dans une vallée ancienne. Ça me gave. Ça me gave. Voilà, hop. Après. Allez, on va essayer de la recruter pour avoir, avoir Tori, j'en peux plus. Ok, ça. Va chez Zouk et Liang, sort de la caravane, prend en photo le pied du pont. Ah, je l'ai pas pris du pont. Joueur Illuminati. Allez, on va invoquer notre petit lapin. Ta-da-da-da. Eh, quand même, ça fait pas mal de sens. Ah, j'essaie de faire le tour, j'ai raté mon coup. C'est pas grave, notre charge. Faire un tir, évidemment. Oh, alors là, je le fais vraiment avec esprit guerrier. En plus, invoquer l'esprit guerrier, bah, ça permet de monter de niveau quand même, les esprits guerriers. Donc, j'ai vu qu'il y avait une technique pour monter les niveaux d'esprit guerrier. Vous faites un défi, vous récupérez la balle ou si vous avez la balle, vous invoquez un esprit guerrier, puis vous renoncez au défi. Vous faites ça tout le temps. J'ai vu ça. C'est vrai que ce serait pas con. C'est pas très légal. Au plat, t'es météore géant quand même. Pas dégueu l'objet qui vient de tomber, pas dégueu. Salut Bélon 117. Voilà la technique, c'est de faire des passes longues par-dessus les adversaires. En défi ça marche très bien, on va pas se faire chier avec ça. Ouais, déjà des gens qui font voilà. Qui mettent des. Qui me disent qui disent des choses bizarres quand même sur ce chat hein. Je sais que c'est pas Zephyla le chat, c'est pour avoir Sense. Sense, je sais pas comment ça se dit. C'est de l'avoir par défi, c'est pour ça. T'inquiète pas, je sais. Alors, y a des gens qui quand même, ils tiennent le coup. Merci à Maxus Gamer, merci à toi, merci beaucoup. Alors, les recrutements, ça peut être très très chiant, en effet. Ça, c'est un peu chiant. Après, c'est vrai que c'est mieux de faire les recrutements de son côté ou avoir beaucoup de chance. Ah, j'ai une question. Pour ceux qui sauraient, est-ce que le talent collectionneur, est-ce que ça permet de recruter aussi, avoir plus de chance de recruter parce que moi, ça m'arrangerait beaucoup. Je vais plus sur le Mumble, non, parce que c'était la grosse merde tout à l'heure, mais peut-être que je vais retourner un peu plus tard. Mais... On fait nuit blanche de live. Moi, je suis capable. Hein. Je passe au mec du tout en plus. Non, avec le même jeu. Ça, c'est le talent recruteur, d'accord. Alors, si vous avez des gens qui ont le talent recruteur, faites-moi signe. Hein. S'ils sont faciles à voir et tout, allez-y. Alors, si vous connaissez les persos qui ont le talent recruteur et qui l'ont dès le début au niveau 1, encore mieux. Esprit guerrier niveau plus en plus. Très bien. Il y en a qui veulent nul, hein. Je vais passer. Le joueur Tafuri. Invocation. Bon, j'oublie encore faire le mismax avec Vlad, mais c'est pas. Il y a notre talent pour recruter les personnes par défi. C'est bien ce qu'on m'a dit. Ok. Charge. Donc, le fort, tu peux arrêter avec ton smiley, s'il te plaît.
C'est sympa. Ce que tu me demandes, c'est quasiment un chemin de labyrinthe. What? J'ai pas tout compris. Une viande juteuse, yeah, un montage de niveau de Victor. En fait, il faut faire 2-3 défis à la suite, voire 2-3-4 et ils viennent tout seul. Yes! Salut, it's my life, tu reviens, t'arrives au bon moment. T'as déjà fait Nuit Blanche sur Inazuma Eleven Go? J'ai déjà fait Nuit Blanche sur Inazuma Eleven 2, Tempête de Glace, et j'ai fait genre à la puce que je dormais, c'était pas vrai. Elle a su, parce que comme... Dis honte. Je passais Nuit Blanche dessus. Heureusement qu'il était au chômage à ce moment-là, je crois, donc il n'y avait pas de problème d'horaire, mais... J'ai fait genre que je dormais, mais en fait, mais non, mais ça se voit en plus. Ok, donc, attendez, je vais... Tori, ben voilà. Et en plus, il fallait la carte du Japon qui se trouve au collège, au deuxième étage, à droite, un truc comme ça. Oh, ce con, mais... Oh, mais comme elle parle mal, la puce! Allez, on va aller du côté, au côté des Zugeliang, c'est parti. Elle me parle mal, en plus, tout à l'heure, elle m'a traité d'abruti. Hein? En plus? Oh, mais je me fais insulter de... C'est honteux, quand même. Moi aussi, je t'aime. Ouais, rattrape-toi. Ah! Je tombe. Rattrape-toi. Ah! En plus, c'est bien jusqu'au bout, elle vient, comme elle appuie sur les boutons. Oh, bon. Revu que tu parles d'entraîner tes esprits, tu n'as pas les mettre directement dans l'armure comme ça. Tu montes à la fois ton esprit guerrier et technique disperso. Non, oui, mais par contre, je fais pas l'armure. Pourquoi? Parce que là, comme j'essaie de farmer des trucs, j'ai pas envie de perdre des points pour rien en fait. Même si après, j'ai juste à aller dans un truc de repos. Mais après, si je me trouve sans endurance, c'est un peu chiant. Attendez, faites voir ça. Attendez, c'était où? Je sais pas si j'ai tout. Je suis pas sûr d'avoir pu. Est-ce qu'il y a un. Bah, je vais faire ça aussi, ça va m'aider. Ça va m'aider pour le défi. La précision, quelle précision de merde. On va entraîner JP sur la précision, c'est toujours bien pour un gardien. C'est à nouveau. Yeah! Moi je l'ai fait une fois. Comment t'as rencontré la puce? Bah via internet, hein, ça arrive. Hein. Sur un fofo. Forum de manga. Alors, pour avoir par contre le pont, on m'a dit. Donc c'est pas là. Pas de pont. Ça va parmi la forteresse. Merci à Adam Gamsi. Gamsi, yeah. Ah, c'était bien là alors. Ok, attendez. Ah mais tonnel, je suis con moi. Non, pas là. Excusez-moi. Non, mais tais-toi, toi. Donc là, c'est pour se remettre des points. Ah, c'est ça, ok. Rosé, ok. Oh, carte joueur. Non, tonnel, ok. Attendez, c'est quoi que vous m'avez dit de faire, là? Tu vas faire l'équipe de Rose d'Espoir? Pas du tout. Tonnelle. Ah, par contre, je vois pas pour la tonnelle, ou alors faut que je continue encore d'avancer. Et je pense pas, hein, sinon j'aurais. Ah, si, c'est ça, putain. Oh, merci. Je suis con. Bah, moi j'ai fait deux photos. Ouais, c'est cadeau. C'est moi qui suis bête. Timmy. On a vu Timmy! Timmy! En fait, je savais pas ce que c'était une tonnelle en fait. Je suis de ma culture nulle. Je suis pas très culturé comme on dit, mais. Ensuite, on a recruté. Je voulais recruter aussi Max. Il faut le joueur Willy. Oh putain, mais ils sont casse-couilles.
Désolé pour le gros mot, mais là, j'en peux plus. Donc là, Willy, je sais où on le recrute, donc vous inquiétez pas pour ça. Pas besoin. Là, voilà. Bon, on a qu'à recruter tous ceux d'Inazuma au point où on en est, hein. J'ai combien de photos en tout, on va faire des photos, tiens. Thème, photo. Je sais pas combien j'en ai, faut que je regarde, je sais pas par où on sait que combien on a de photos. J'ai pas envie de compter à la main, voyez. J'ai pas envie de compter à la main. Prouesse. Ah, j'ai compris de nouvelles prouesses. Donc il me reste encore quelque chose, quelques trucs pour photo, ok. Alors, on va recruter Willy. Hop là, on le fait rejoindre. Même si j'aime pas Willy, c'est pas grave. Même si j'aime beaucoup dans Go, personnellement, qu'il soit vraiment un geek. Qui profite de ses compétences de pirate, on va dire, même, carrément. J'aime beaucoup. Oui, je compte faire le plus de photos possible, c'est sûr, mais il faut me laisser le temps, c'est tout. C'est ce que je demande. Sous, tort, bon fou. Il y a la glace. Conseil pour la vue. Ok. Donc oui, cela, on verra plus tard. Non, c'est enfin, je recrute que ceux qui sont recrutables là, facilement. J'ai pas recruté tous les joueurs. Hein. Sinon, je suis dans la merde. Hein. Max, un qui va être content parce qu'il adore ce joueur. On recrute Max. Oui, un esprit guerrier. Allez, on recrute Steve au passage. Steve. On peut recruter Willy adulte? Pas une question. Ben on l'a vu dans Go. Il fait un informaticien qui aide à. Un hibiscus jure. Ah, 500, j'ai mis plus de 500 buts dans le jeu. Récompense d'un défi gagné sur un marché. Oh non, c'est bon. Hein. Twain, donc lui il faut. Il faut un objet, il faut l'ambre. Ok. Donc on a recruté quand même pas mal de monde. Enfin, de monde. Alors, je voulais aussi aller voir dans les infos, dans l'index. Je dis que je voulais recruter Xavier. Enseignement à la tour. Bon, ça c'est quand il est grand. On voit pas, Xavier, Stardew Real au parc d'Inazuma au passé. Au parc d'Inazuma, carte joueur. Ok, au parc d'Inazuma. Imaginons là, alors le parc passé de la tour. Tu vas chier. Non, mais c'est juste pour. Non, je vais pas chier, j'ai pas mal au ventre. Voir les cartes, voyons voir qu'est-ce qu'il propose. Donc là, on a tous les des gros persos. Donc là, par contre. Ah non, en fait, ouais. Tribu des vieux amis. Ah, il y a un défi ici. Je pourrais l'avoir fait, je suis pas sûr d'avoir fait. Non, c'était pas des nouveaux. Bon. On va quand même le faire. Chante tellement bien. Un petit vent déchaîné. C'est après la. Ah, c'est après, d'accord, la recommerçante. D'accord, parce que là, je voulais aller voir. Coucou les zombies, je peux avoir un bisou? Je peux avoir un bisou quand même? Un bisou? Un bisou! Fais bisou! 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 Méchante! Non, mais
Tu aimes One Piece? Oui, j'aime beaucoup One Piece. Ah, c'est vrai que le parc, je ne me souviens où j'étais. Donc là, on est au parc Ginazoma au passé. Okay. Et là, on a un vendeur de cartes. Donc là, j'y suis pas allé non plus au passé, je crois. Quoique si, c'est peut-être pour pendant le scénario, je peux peut-être au passé. Ok, c'est ici. On a Dauphine, Kale et Shog. Ah bah d'accord, ok, on a vraiment des gros persos. Ah ouais, d'accord, là, il y a vraiment des gros persos. Drapeau du monde. Ok, c'est drapeau du monde qu'il faut pour tout ça. Là, il n'y a rien d'autre après, non. Alors là, par contre, ouais, Yonavi, faut peut-être recruter de ceux-là pour pouvoir débloquer Xavi, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Comme dirait un certain Rosé. Ah, une petite pierre parallèle. On va sauvegarder avant et on va faire la petite pierre parallèle. Morbute, salut Olikerario. Ça me drop un match amical. D'accord, mais je veux savoir Xavier en tout cas. Je veux avoir sa tête. La pierre parallèle émane une voix qui semble étrangement familière. 73 viewers, ouais. Allez, on va atteindre les 90 là, les gens. Faites la pub autour de vous. Je vais donner une danse de joie inédite. Adorable poste. Donc la puce, elle a dit si on atteint 100 viewers, elle refait les manchots. Autant dire qu'il n'y a personne qui va qui va faire de la pub finalement. Non, ça va. Alors, on est bien là. Une de solitaire. Ok, super. On récupère des techniques. On peut pas photographier les toilettes des filles, c'est dommage. Parler aux gens aussi, au cas où il y a des conversations qui peuvent m'aider pour recruter. On sait jamais. Pas l'air. Je crois que j'ai pas parlé à la personne qui était là. Ok. Oh, la belle fusée. Ok, bon, il y avait rien de spécial. Ok. T'as essayé de recruter Tescat ou du... Ah, il faut 50 maillots, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Bon. Inventaire. Attendez, Axel, qu'est-ce qu'il faut pour Axel déjà? Un hibiscus géant. Alors, où est-ce qu'on retrouve... On trouve le hibiscus géant, s'il vous plaît, les gens. À quand un enfant avec la puce? Oui, comment il s'appellera? C'est question. Ouh, il est trop fort. Un marché. Marché, quel marché d'Okinawa, qui pourrait être pas mal. Pourquoi? Parce que lui-même a été à Okinawa pendant un certain temps. Donc je verrai bien au marché d'Okinawa. Faut essayer d'avoir Axel. Hein. Donc c'est bien ça. Ok, d'accord. Bien au défi. De... Ok, c'est bien ce que je pensais. J'avais un doute. Alors par contre, c'est quel défi? C'est des filles. Ah bah hibiscus, ça m'étonne pas. Bah de toute façon, il y en a qu'un, donc je ne pense pas de me tromper. Ok. On va essayer d'avoir l'hibiscus, mais je vous promets rien. Pas à peine de répéter 10 000 fois, Team 38 Danny, hein, je sais. Flo, Showbell. Comme d'hab, hein. On va passer en armure directement. Voilà, et on va faire notre petite tempête solaire des familles, mais bon, on va passer ça. Oh, on va essayer d'avoir l'hibiscus. Hein. Je veux Axel, on l'aura. Je vais essayer de... Bah, je viens de... Voilà, premier coup, j'ai l'hibiscus. Hein? Bah, il était au marché de Kinawa, et en plus, je recrute quelqu'un au passage. Mais c'est pas magnifique, ça, c'est qui? Voler. J'espère que... Non, j'allais faire une... J'espère qu'elle a pas un casier, j'allais dire, mais enfin bon. À quelle heure se finit le live? Oh, vers 4h du matin à peu près, vous inquiétez pas. Ok, donc normalement, si je vais dans l'inventaire, est-ce que c'était... Ah, parce que quand même, c'était des biscuits, tout simple. Allez voir Axel adolescent. Faut trouver Axel. Ok, on y va. On va trouver Axel, on va le trouver.
Ok, on va la rechercher. Je vais essayer de... je suis Brennan Willy, merci. Vous l'avez dit, mais je voulais essayer de trouver tout ça, mais j'ai vu la réponse. C'est pas très grave. Hein. Je me doutais bien qu'il serait vers là. On peut être moins indiqué qu'il n'était pas Okinawa. Alors qu'est-ce qu'il veut pour le recruter? C'est surtout ça, parce qu'à la limite, il va me faire chier, il va me dire « Ah non, si tu veux me recruter, va falloir faire des trucs, hein. Des trucs très sexuels. » Oui, il est là. Ok, on va... Ah, j'avais une photo à faire, on va en profiter aussi. Ok, petite sauvegarde des faits. On va faire une petite photo sur le palmier. Et on va parler. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu me veux? J'ai pas vraiment le temps, je dois aller voir quelqu'un à l'hôpital. Désolé, on discutera une autre fois. Ok, on va à l'hôpital. Ah, mais non. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais faut que je la retrouve. D'accord, le mec, il nous... Alors, le mec, il nous chie à la gueule. Et on se dit, vous pouvez le recruter. D'accord. Bon, c'est fait pour... J'en sais rien. Et donc on a un perso qui avait besoin, donc session, il faut l'hologramme de ballon. Alors l'hologramme de ballon, un hologramme de ballon, il faut aller dans le futur déjà pour un hologramme, ce serait logique. Ouais, quoi qu'il pourrait avoir un hologramme dans le présent de Inazuma Eleven. Donc hologramme de ballon. Ça peut être soit Centrado, soit ça peut être... mais c'était où? Mais non, c'est Centrado. Pardon, excusez-moi. Dans le musée, ok. Je m'attendais un peu que c'est dans le musée. Les musiques qui font peur. Il n'y a rien là, bon, il n'y a rien à prendre en photo. On continue. Non, il y a des gens qui parlent. Parce que... Non, je crois que je leur avais déjà parlé. Pas je les avais déjà parlé, ça veut rien. Hologramme de ballon, c'est pas là. On cherche, hein, vous inquiétez pas. On va peut-être pas trouver, mais vous avez l'habitude. Hein. Ça m'aurait étonné de pas l'avoir pris en photo, ce truc. Ça m'aurait... Ça... Ouais, il est pas là, hein. Parce que moi, je verrais bien dans le futur. On est OK. À l'entrée. Au guichet qui accueille. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est quoi, ce jeu? Au guichet. Genre, au guichet, il y avait un ballon. Je suis vraiment aveugle. Je suis désolé. Merci à vous, les gens. Quoi, tu veux pas faire du One Piece? Parce que leurs jeux sont un peu chiants à faire en live. Oh là là, mais je suis mongolien. Allez, ensuite, inventaire, carte joueur, le Sion, on peut recruter, bon, on recrute Sion, c'est parti! Je suis débile, en plus je suis passé à côté, enfin, ça se voyait quand même, mais bon. Ça y est, mais ça y est, c'est bon! C'est calme! Moi je suis calme! Hein? Moi je suis calme! Ça se voit quand même! Tu as quel âge? J'ai 26 ans. Aïe aïe, il a 26 ans et je joue encore à Inazuma, la honte! Pardon, j'anticipe. J'anticipe un peu. Joueur Twain. Ah oui, c'est vrai qu'il y a joueur Twain à recruter. Ok. Ouais, c'est pas grave, c'est bien. Ah oui, je joue à Pokémon aussi. Aïe, aïe, il a 26 ans, il joue à Pokémon. Aïe. Je le mets face. Ouais, parce que bon, il y a un mec qui m'a dit, la honte, tu joues à Inazuma Eleven, le mec il joue à Clash of Clans. Hein. Je veux dire, voilà quoi. J'ai rien contre le jeu, hein, Clash of Clans, mais on se traite pas les gens de quelqu'un qui joue à tel jeu si toi tu joues à un jeu qui est pour la même tranche d'âge à peu près, quoi. Voilà, c'est. Ça a commencé depuis quelle heure? Il était 20h45 quand ça a commencé. Alors je voudrais retourner, je voudrais absolument avoir Archer. Donc il faut que je trouve l'ambre. Est-ce que vous savez où on trouve l'ambre? Parce que c'est pas très précis. Voilà. Parce que là, ils me disent, quand je vais dans les cartes joueurs, au niveau donc de Archer, c'est communauté dino rigolo. Ok, faut que je le trouve. J'ai tellement la flemme de chercher où est le truc rigolo. Est-ce que vous savez où on bat leur équipe?
enfin leur équipe Dino Rigolo là, c'est le défi de Pulens, ça m'aide beaucoup. Ah oui, mais oui, ça va m'aider puisque si je vais dans l'index, Pulens, non, ça va pas m'aider. Ah si, ça va me dire où c'est. Donc je vais dans l'épée, je cherche le Pulens. Pulens, je l'ai vu, je suis allé trop haut. Pulens, il est là. Donc il faut aller nord de la Grande Plaine. D'accord, nord de la Grande Plaine. Et donc la Grande Plaine, c'est là où on est. Ok, bon, il faut aller au nord. Bon, on va au nord. Ok, c'est bon. C'est vrai que j'aime. Il est bien l'index, hein. Vous avez raison. Ah, mais c'est ici, nord de la Grande Plaine. Merde. Donne Dino Rigolo. Attends, vous faites voir. Non, c'est Triceratops FC. La musique est énorme. Non, mais t'inquiète pas, Zetchette. C'est pas grave si c'est pas là. On va se faire un petit jerk de Pégase, hein. Normalement, il arrête. Ouais, ok. Ah non, je suis trop... Il est trop gros, ce perso. Bon, bah, on va tirer, hein. C'est fou, hein. Allez, hop, on va se faire un petit lève maudissant surpuissant. Oh merde. Oh là là, c'est la merde, c'est des filles. On va le refaire, hein. Mais là, en fait, une communauté, hein, c'est dans le truc de défi, mais c'est là qu'on va pouvoir faire sortir l'ambre, en fait. Ça recrute l'ami. Ah, si c'est celui-là, merci. Recrute les Miles, ouais, faudrait... ouais, pourquoi pas recruter. Ouais, mais... vous voulez que j'aille sur le mumble? J'ai compris ça, mais attendez deux secondes, peut-être pendant les défis. On va se refaire un petit coup de mumble, donc ça va pas être tip top. Mais... fou à la crème, c'est pas là qu'on a l'ombre. Attendez, il y a une petite technique. Grande Plaine. Où ça? Ah, mais peut-être qu'il demande la demande d'amis sur... sur 3DS, mais... Non, c'est pas là. C'est où qu'on a l'ambre? S'il vous plaît, j'ai pas vu. Est-ce que là? Ah mais non, oui, non, je suis con, excusez-moi, oui, c'est moi qui suis con. Attendez. Carte joueur, suffit d'aller sur la carte joueur de la personne qu'on veut recruter. Recrutez-toi une communauté d'Ino Rigolo, on est d'accord. Mais par contre, l'objet Ambre doit être quelque part. Attendez, est-ce que je suis con ou quoi? Je suis con. Là, on me dit qu'on était dans... Ok, d'accord. Je suis désolé, hein. J'ai deux tensions là. Tu avais des bêtes. Donc Twain, normalement, il était affiché. Non, ça c'est. Bon, ok, d'accord. J'ai compris. Je suis nul. Alors, attendez. Alors là, en fait, je suis perdu parce que j'ai pas Twain. J'ai pas acheté la carte de Twain. Hein. Je suis débile ou quoi? Que je l'avais trouvé. J'ai pas acheté la carte. Je veux juste au moins recruter le perso. Enfin, la carte joueur du perso. Essayer de faire tomber l'ambre. Je vais y arriver, promis. Ouais.
Voilà, donc on va récupérer la carte de Twain, qui est ici. Donc il me faut des filles dans une vallée ancienne. On est d'accord. Tiens, il faut aller. Donc il faut que je regarde, il faut que j'aille. La vallée des bêtes, on est d'accord. On est d'accord. Je suis perdu, hein. C'est qui ça? Haut-parleur. Penseur, ok. On va quitter hein, les. Ceux qui savent rien. Là, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire je vais farmer une équipe, mais en fait, c'est pas elle quoi. Désolé, il y a beaucoup de monde qui parle. C'est un peu compliqué, donc c'est ce. La communauté, c'est cette équipe de défis à affronter. On est d'accord, merci à vous. On y va. On va passer directement en armure. Ah mais c'était pas lui que je voulais mettre en armure. On va mixer max. Voilà. On va se faire un petit plaisir. On va faire un petit enfant de tonnerre. Et vu que cette technique est super belle, on va la laisser. Colonel Moutard. Tu peux me faire une dédicace? Bah je dédicace à mine mais c'est tout. On arrête les dédicaces maintenant. Je dédicace à la puce. Sinon je vais passer une sale nuit. Oh, elle me dédicace. Il y a des filles qui dédicacent. Il y a des filles qui dédicacent les couilles. Elle dédicace et ça c'est bien. Ouais, c'était juste pour le jeu de mots, hein, vous inquiétez pas, les gens. Je suis fatigué, ça se voit. On va essayer d'avoir l'ambre. On va passer en invoque direct, on va passer en mur. Faut que je pense à le faire passer par en Vlad. Oula, j'ai appuyé sur T pour tirer maintenant. Et on va se faire. Oh, il est niveau 3 en l'éternel, j'avais pas vu qu'elle est montée de niveau. Okay. Alors, les chevilles de Death Note sont aussi grosses que les chaussures d'un clown, hein, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas surpris. Alors, ok, oui, c'est clair que le scénario de ce Chronostone est spécial. Hein. On peut quand même le dire. Hein. C'est pas dire ouais, du ça parce que non. Je confirme, je suis comme la puce. J'ai trouvé l'histoire vraiment bizarre. Après, moi, j'ai joué jusqu'au bout, donc je sais maintenant ce qu'il en retourne. Mais c'est clair que elle, quand elle m'a vu jouer contre des dinosaures, elle a dit ok, heureusement que j'ai arrêté là. Mais franchement, ça se comprend quand même. Et qui accompagne des petits dans enfants. Dans un bus volant avec des petits enfants qui remontent le temps et tue le foot parce que c'est pas bon pour la planète. Faut arrêter là. Ok, j'ai fait n'importe quoi là, on m'a dérangé. Bah, que ce soit vous. Ah, j'ai un tacle fantôme. Rang Z. Mais what the fuck les lettres? Faut se calmer avec les lettres là. Tac le fantôme Z, tout va bien. Bon allez, on va dépêcher là. Voilà, on va se faire un petit vent déchaîné. En fait, ils ont décidé de mettre des lettres comme ça, aléatoires. Alors que Sword Art Online, c'est logique. What the fuck, c'est quoi là? Attends, je récupère. Attends. Allez, voilà. Sword Art Online, c'est sur le principe qu'on est dans le futur et que c'est un jeu vidéo. C'est pas la réalité. Bah là, c'est pas la réalité. Donc, hein. C'est pas la réalité non plus, là. Non. Non, mais bah c'est leur réalité à eux. Oui, bah c'est pareil pour l'autre. Après, c'est juste une autre vision.
On n'a pas la même vision, c'est tout, c'est pas grave, hein. Ben, je veux dire, que ce soit non, la logique ou pas de certains jeux, à Paris, ou de mangas. Non, mais je parle pas du jeu. Non, mais de tout, je parle. Du manga. Oui, ça j'ai compris. Le Sword Art Online, ça parle de gens qui jouent à un jeu vidéo. Mmh. Là, ça parle de gens qui jouent au foot et qui vont dans le futur avec un pédopire bleu. Oui, non, ben, je suis d'accord avec ça, mais bon. Le bombe d'ozone, ok. Esprit guerrier du monsieur. On va peut-être directement le mettre en armure, on va s'amuser à mettre en armure. On va essayer de passer ça tout de suite. On va le Miximax avec Big. Hop là. Un petit tir, on va faire un petit... Allez, tir de défense torsadée, on l'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Même si je la trouve très nulle. Tu vas acheter Go Galaxy, bien sûr, je l'achèterai. Même si c'est de la... même si c'est n'importe quoi. Mais je regarderai pas la série, hein, c'est clair. Non mais ta blague, Sean, tu n'es pas obligé de la redire, elle est nulle. On va la voir l'ambre, déjà. On va la voir l'ambre, promis. Tu peux faire un Miximax Hector Gabi si ce n'est pas déjà fait. Je l'avais pas déjà fait. Ah non, c'est vrai que pour l'instant je garde les Miximax et Gus. Pour l'instant. J'adore le design de Sir Lapin. Franchement, je l'adore ce design. Super classe, je trouve. Je préfère la technique spéciale de Victor en Miximax, s'il vous plaît. Attention, c'est avec Vladimir qu'il est. Donc, sa technique spéciale, c'est plus de flèches. Hein, donc, c'est pas tip top, hein, je veux dire, comme technique. Hein. Donc, là, pour le coup. Qui est plus avec Okita. Par contre, je peux mettre Okita et faire Ting d'Okita. Si c'est celle qui t'intéresse, je pourrais faire avec Okita. Ferion et Zeta. Ouais. T'as commencé à regarder Chronostone? J'ai regardé les 3 premiers épisodes et puis j'ai arrêté. On va pas la voir l'ambre. On va pas la voir l'ambre. Je sens gros comme une maison qu'on va pas la voir. Je suis trompé, tant pis. Je voulais invoquer Pendragon, mais. Après, Vladimir, faut qu'il monte de niveau pour avoir ses meilleures techniques, j'ai pas fait gaffe. Bon, je regarde qu'est-ce qu'il a pris comme niveau, comme truc Victor depuis. Peut-être que je refasse le Miximag justement. Tornade de feu. Mumble, ah oui, il faudrait que j'aille en Mumble. Si je vois que ça, que j'ai pas le truc là, j'irai peut-être sur le Mumble. Ben dis peut-être. C'est Viren Retibi, t'as pas changé de pseudo toi? Toujours pas l'ambre. Ok. Alors avant d'aller sur Mumble, c'est la merde encore une fois. Comme d'habitude, hein, de toute façon. Je vais aller voir le joueur. Donc Vladimir, je sais pas s'ils montent de niveau en restant. Ah, mais en Miximax, ils montent pas de niveau. Merci à Psyché29, merci à toi. En Miximax, ils montent pas de niveau, les gens, d'accord, ok, ouais, donc dans tous les cas, c'était un peu foutu. Donc il faudrait quand même. En fait, il faut prendre les persos, les augmenter le plus possible pour au moins libérer leurs 4 techniques et après les remettre en Miximax. Donc pour l'instant, on peut pas faire, à part le plus de flèches, on peut pas faire grand chose. Donc on va aller sur Mumble, ça va être la grosse merde, il y a combien de gens? Oh, il n'y a pas grand monde. On va tenter le Mumble, on va y aller doucement. C'est parti. Allô? Allô, Romano, on t'entend. Oui, il y en a que j'entends pas bien. Bah, Benten, comme d'hab. Hein. Allô? Ah ouais. Romano, tu te souviens du micro là, ça va? Ouais, non, mais t'es loin. En fait, on t'entend loin. Tu m'entends bien là? Tu m'entends bien? Ça va.
Ça va. Tu m'entends mieux que dimanche dernier? Oui, ah oui, 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 oui. Ah, c'était pas difficile en même temps. Ouais. Demande pas pourquoi tout à l'heure ça nous a allumé le tapant. C'était gratis. D'accord. Il a crié dans nos oreilles. Oui. Il nous a pas calmé. Je lui ai dit tout à l'heure, arrête de. Calme-toi un peu. C'est qu'il était tout foufou, quoi. Ouais. Ouais, déjà ça, il était tout foufou et en plus il y avait un Nico. Ouais. Ce qui fait qu'il y avait deux foufous qui parlaient en même temps. Ouais. Je disais à Gapet, c'est calme-toi 5 minutes, calme-toi. Ouais. Enfin, bref, c'est passé. Ouais. Bonjour Alex Gamers. Taïo, faut que t'éteins ta télé. Bon, ça va, j'entends pas trop de trucs derrière moi. La qualité est relativement bonne, je trouve, là, pour le coup. Ouais. Ça va, pour tout le monde. En même temps, on peut pas faire pire que tout à l'heure. Ah oui, ouais. Tout à l'heure, c'était la merde. Ah, c'était grave. Romain, une question. Oui. Oui, oui, oui. Tu pourrais recruter l'ami de Nathan, oui. Mais tu m'avais Paul. Demandé tout à l'heure. Bah, c'est juste que je sais pas où le trouver. Paul Peabody, il se trouve à Raymond dans le passé. Oui, là, je sais que je mets ça. Je pense que c'est dans le passé, parce que de toute façon, c'est les persos. Quand ils sont dans le passé, en général, on les trouve leur carte dans le passé. Et que c'était vice versa. Et pour d'autres, après, il y a des persos qu'on ne recrute pas au bon endroit parce qu'ils sortent un peu de nulle part, comme les mecs des ogres. Moi, personnellement, tu me dirais en tant que concepteur où je les mets. Tu dirais mets-le où tu veux parce que de toute façon eux de base ils font partie d'un film, tu vois. Mais il y en a clairement, on sait où on va les trouver, quoi. Par exemple Xavier, pour trouver lui, j'aurais jamais pensé à aller au parc du passé. Ça par contre, ouais, y a des persos qu'on sait pas du tout où on peut les trouver. On se dit j'aurais pu prendre quelque chose de plus pratique, quoi, ou plus logique. En fait Romano, ouais, il y a un qui va nous en vouloir à mort, en fait. Ah, c'est Commandant Sauveur-Croix là. Ouais. Moi je lui ai mis deux timeouts lors du live de tout à l'heure. Ouais. La peste qui lui a mis un. Et Dano qui lui a mis un. Ah d'accord. Après ça a tombé sur moi après. Ça a tombé sur moi. Il va nous envoler à mort. Mais la première passe, hein. Mais la première passe, parce que je mangeais un ban. C'est un ban, il a mis d'avance. J'avoue quand même qu'il abuse un peu dans ses messages. Ouais. Donc oui, quand même, parce qu'il fait beaucoup des fois pour rien. Et puis bon, voilà quoi. Ça arrive après des gens comme ça, moi j'ai rien contre lui du tout. J'avoue, les deux timings que je lui ai mis, il méritait bien. Il les méritait. Bah j'espère, hein. J'aime pas quand on met des trucs pour rien, moi. Là tout à l'heure, j'ai mis juste un timeout à Galas. Il a mis Polycro. Polycro. Ce mec. Qui est fatigué là, c'est Victor. On va être Rokita à la place de Victor, on va pas faire sa technique. Des fois, Victor, maintenant on rigole bien. Ah bah j'espère, hein. Enfin, je dis de la merde, donc soit les gens rigolent de ce que je dis, dans ce cas-là, bah, je suis content d'avoir un humour de merde et qu'il y en a qui comprennent mon humour de merde. Bah, en fait, c'est tout, en fait. Parce qu'il faut avoir le courage quand même. En même temps, le même ball, c'est une très bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée quand ça marche bien. Ouais, sauf avec. Bah, hier, on a bien rigolé pas. Ah ouais. Faut voir hier. Graphé qui arrêtait pas nous mettre des vents, on le mettait but direct. Putain, mais oui! Tu es la puce! L'église de Metlo! Lire! Donc là, je vais faire la technique Katana Chrysanthème pour faire une nouvelle technique quand même. Salut la puce! Bonjour la puce! Elle vous entend pas, mais vous t'ai dit bonjour sur Mumble, mais bon. Bonne nuit! Salut! Comment tu osais mettre un tir à JP? Ah oh, ça va! On peut même plus rigoler! Mais oh, je vous promets un truc, JP! C'est Okita, c'est un perso. Il est une classe. Au plat, ils ont tué, mais ils font chier que c'est des filles. Je promets, presque, enfin je promets à moitié, que JP, je vais le reconvertir en gardien. En attaquant. En attaquant. Je vais le reconvertir en attaquant, rien à faire. Même s'il est nul. Romano? Oui? Tu pourrais mettre un esprit guerrier à Lucien. Un esprit guerrier à Lucien? Oui. Bah moi j'aime bien Lucien. Mais... C'est quoi t'étais? Non,
j'y vais, si, sans cette gardien. Si, mais ouais, moi je vais faire attaquant justement, parce que tu. En fait, si tu veux, il y a des persos. Il y a des persos, si tu veux, ils sont. De base, on les met par exemple milieu de terrain. Mais par rapport aux stats qu'ils ont dans le jeu, ils seraient meilleurs en défense, par exemple. Je te dis une défense. Ce que font les gens, c'est qu'en gros, même s'il est milieu, il augmente les stats de défense pour qu'il soit un très bon défenseur. C'est juste ça. Donc, bah, si je veux JP, je peux l'améliorer pour en faire un attaquant moyen, parce qu'il sera jamais un excellent attaquant. Non, mais il, c'est tout. Pour moi, c'est un gardien, mais... Au départ, c'est un défenseur en plus, donc. Donc voilà, c'est pour t'expliquer que voilà, j'ai envie de me faire un petit JP attaquant. Ça me fera Jean-Pierre Papin, mais Jean-Pierre Lapin, quoi. Et tu veux que Romano ? Oui ? Demande pas pourquoi je mets Amiens ça sur le stat là. J'ai pas compris ? J'ai mis Amiens ça sur le stat concernant la réouverture de la scène. Ah, mais vas-y, non, mais. C'est pas grave. Y'a personne qui ira, de toute façon. Mec, c'est un mort, quoi. Y'a personne qui ira, c'est pas grave. Sur le live de Death Note. Je suis méchant. Non, mais non. Je suis méchant. Ils sont tous en train de se regarder, donc forcément ils iront. En plus là c'est enregistré, donc bon voilà. Je veux dire là je suis dans la merde, j'avoue. Mais c'est pas grave. Arrête de faire de la pub. Le vent 15 000, c'est pas de la pub. Non. T'inquiète, c'est Death Note qui demandait. Que je lui mets ça. Ah, les stats d'accès, alors il faudrait que je montre les stats de perso que je recrute aussi. On parle de moi. Il est là. Oui, on parle de toi. Je t'ai entendu, espèce de sac. J'étais tranquille pour regarder une vidéo sur Galaxy pour voir ce que ça donne. Déjà, c'est un truc de drogué. Et là, j'entends, ouais, regarde toi, tu vois qu'on parle de moi. Ok. Et là, je vois à Romano dire, mais ouais, personne n'a rien à son âge. Les gens, venez. Le gars qui est pas vient de mettre, il faut venir et vous abonner. J'active tout de suite Twitch pour avoir les notifications. Voilà, c'est dit. Voilà, là, je vous le dis, les gens, là, j'ai mon Twitch qui est activé. Il est incroyable. C'est. Prends ça, tiens. Tiens, j'ai un petit souci. Question. Oui, réponse. Tu comptes mettre des modos sur Mumble? Je sais pas quand. Enfin, si je pourrais faire un groupe modo, mais je sais pas encore. Romano? Oui. D'accord. Tu pourrais me mettre modo? Mais non, on se calme là. Hein. Oh. On va se calmer. Je viens de te dire, Romano. Oui. À partir de mardi, je serai pas dispo. Quoi? Mardi, je vais réviser pour le BTS. Ouais. Ok. Donc, je serai Ask pour le 14. Ok, bon, bah, révise bien. J'ai connu moi aussi des révisions. J'ai eu le bac avec une de ces mentions. Non, c'est Benten. J'ai une de ces mentions au bac, personne peut me battre. Non, je rigole. Attends, il révise maintenant, hein. BTS, c'est pas pareil, c'est pas le bac, hein. Mais j'en s'en fous de quand il révise quand il veut, non mais oh, c'est bon là. Mais non, on parle de mardi. Je révise depuis plusieurs jours. Il révise depuis plusieurs jours. Non mais c'est bon, on laisse tomber. Non mais pour dire qu'il serait pas à dispo, c'est tout. Oh là là. Mais Nadie serait là pour... Nadie pourrait jouer à Smat avec vous. Pas de soucis. Ok, bon, allez, je vais faire un truc, j'en peux plus, je voudrais finir ce défi, parce que je fais tellement de la merde, j'arrive pas à jouer, faut que je réussisse quand même à avoir cette putain d'ambre, et si j'arrive pas, bon, ben, on ira ailleurs, parce que faire le défi 10 000 fois, au bout d'un moment, t'as envie de mettre un coup de pistolet dans la tête, quoi. T'as envie de te suicider, parce que c'est cool la mort, et voilà. En plus, là, j'ai pas suivi ce qu'ils m'ont dit, sur le chat. Ah, oh, le chat, de toute façon, ils sont juste là à prendre les cartes bleues de vos parents, de leurs parents, c'est bon quoi. Ça qui est incroyable. Alors, il y en a qui a dit 10,01 sur mon bac, j'ai 10,02. Romano. J'ai 10,02. C'est presque plus honteux que le repasser au rattrapage. Au rattrapage, je te dis, bon, ça va, il restait quelques points. Oui. Moi, t'es battu, moi. Ah. 10,5.
Moi c'est 10,02, mais t'imagines pas de me dire à un, peut-être à un point près dans une dans un truc, mais à 0,5 point près, j'ai le rattrapage pour 0,1 point quoi, tu dis non mais... Non j'ai 10,02. Ah je t'ai battu. Bien joué. 10,5, ça va hein. Moi, ça me fait toujours de dire 10,02, à un point je serais pas sur rattrapage. Ça m'aurait fait chier, personnellement. Ah moi j'ai pas de diplôme alors désolé. Respectez-moi. T'as le brevet ? Mais le brevet ? Oh. Alors c'est pour recruter qui ce défi ? C'est pour recruter un con qui va me permettre de recruter celui qui sait pas jouer au foot dans Inazuma Eleven 23 qui s'appelle Archer. Tu te casses le cul pour recruter un mec qui sait pas jouer au foot quand même, hein. C'est un... pour un jeu de foot. Faut quand même dire, c'est chaud. C'est la violence. Bon, je pense que je vais arrêter, la défi ça sert à rien de le faire 10 fois si ça tombe pas. Dehors, t'as des matchs ? Bah il faudrait que je trouve la prochaine ligne de match à faire. Ouais, sérieusement. Et je pense qu'en fait, ce qu'ils devraient faire dans ce genre de jeu, c'est que en fait, quand il y a un objet qui commence avec 1% de chance de tomber, tu fais le défi. Ça passe à 2, tu refais le défi, ça passe à 4, tu refais le défi, ça passe à 8, tu refais le défi, ça passe à 16, ça double à chaque fois, quitte à ce qu'ils mettent des probas très faibles au départ. C'est que tu sais qu'en le faisant, normalement, tu vas avoir 30-40% de chance, tu vas dire bon, c'est bon. Là, tu sais pas quand tu vas l'avoir, le truc, c'est juste horrible quoi. Attends, rien qui dit que Inazuma Eleven Kogasi en français sortira en bas avant le 22 juillet. C'est pour moi, je posais la question sur le chat. Et j'ai regardé, c'était un truc de... c'est n'importe quoi. Les mecs ils ont pris un max de drogue, mais c'est bon quoi. Et là, votre ça a toujours été ça dans Inazuma. Ah non mais là ils ont fait fort quand même hein. J'ai pas spoilé, je sais pas si les gens ils savent. Mais ça ressemble quand même en petit animal de l'amour quand même. Ouais, sur les épisodes en japonais, c'est vraiment dégueulasse, ça m'a écœuré là. Salut Mister Hugo, t'as raté quoi? Bah des défis que je fais depuis 10 ans, j'ai quelques recrutements, la fin des matchs de la rivière. Bah c'est pas ça, mais sans vouloir spoiler, c'est surtout vers la fin. Ça commence vraiment à devenir n'importe quoi. Bah là j'ai vu... Oh mais la mâchoire jurassique, j'en ai rien à faire cette mâchoire jurassique de merde. Je vais mettre le gars dans le chat et genre... Regardez-moi cette vidéo et franchement prenez ça avec un petit verre de rhum, ça passe très très bien. Et après quand vous serez un peu bourré, vous allez prendre la carte bleue de vos parents et venir sur votre Twitch. Sur mon Twitch, et le code est derrière, en fait, derrière la carte. Et vous faites des rhums. Si c'est lien de ta chaîne, je te banne. Le mec, ça m'enfoirait jusqu'au bout. Non, mais attention, avec Romano, c'est l'amitié, faut le dire, c'est la virilité. Ouais, la virilité, on va en parler de la virilité. On va en parler. On a pas de construire une nuit pour Minecraft. Enfin bon. Bon, je suis désolé, les gens, je trouve pas l'ambre. Ça m'énerve. Mais. Ok, c'est pas... Ok, d'accord, voilà. Tu peux jouer contre équipe exclusive, ça va être compliqué quand même. Allez, l'ombre. Oui, je l'ai. Alléluia. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait du bien de pas avoir l'autre là, qui est pas là. Qui est le seul au AFK, en fait. Moi, je vais me AFK vite fait, je vais chercher de quoi à boire, j'ai soif. Ok, bon, on recrute Twain. Qui va pouvoir recruter, mais pas Tiana Twain, la chanteuse évidemment. Pour ceux qui connaissent. Quand je reviens, c'est bon, j'allais voir aussi. Voilà! Enfin! Alors on recrute Twain et on va voir ce qu'il faut pour recruter Archer. Archer. Where are you, Archer? Ah, bon, c'est bon. Moi j'ai pas d'image moi. Ah, moi il y a une image pourtant, un petit F5. Ah, ok, Archer est là. Mais ça met tout le temps la pub, ça, c'est chiant.